Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode et cette nouvelle série sur donc la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. On va en nouvelle partie. Normalement j'ai plus ou moins réglé comme il faut le bordel en termes de visuel. J'ai pas osé mettre les textures en ultra. Les textures en ultra, je crois que c'est des textures en 4K. Je n'ai pas osé les mettre. J'attends de voir. Apparemment, je partirai au-dessus des 6Go de RAM de ma carte graphique. Donc ça m'a un peu choqué. Mais bon, l'histoire jusqu'ici. Alors je regarde juste une chose. Ah 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 ah, t'es bon ? En termes de son, j'avais une famille. Ça a l'air d'aller. Une femme. Elles sont magnifiques. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Non ! Et puis c'est les vraies images du jeu. Oui, c'est les vraies images. Je suis arrivé. Du premier. Je suis mort. C'est rigolo parce que le jeu était pas très très beau. Hein. T'abandonnant entre lumière et ténèbres, nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, Spectre ? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor. Celebrimbor, grand forgeron du deuxième âge. Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avez souffert. Je sais plus comment il s'appelle, justement l'alter ego. Amatar. Qui nous lie peut-être. Anatar. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. De boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il faut boucler la boucle. Il nous faut un nouvel ami. Ah, ça c'est les nouvelles images par contre. Parce que j'ai refini le jeu pour vous, chers amis, sur PC. Je l'avais fini moi à l'époque sur Xbox 360 à l'époque. Je l'ai refini sur PC pour vous, pour être à peu près au courant de ce qui se passe. Donc j'ai retrouvé Anatar en train de buter toute la famille de... Le monde des hommes va s'éteindre. Donc toi tu es censé être Arachne, hein. Oui, la grosse araignée que Sam Sagas blesse mortellement dans le... Faut pas chercher, hein. Je l'ai senti. Moi aussi je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort. Ah, c'est rigolo. Il frappe, regardez, il frappe avec la main droite, alors que Celebrimbor est censé être gaucher. Enfin, chaque fois qu'on le voit, il soulève le marteau de la main gauche. Et même les liens les plus forts peuvent être brisés. Ah la vache, il est vachement beau en spectre comme ça, en cinématique. Et lui, je trouve qu'il ressemble. On reviendra là-dessus, mais je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Aragorn en termes de visuel. Que vas-tu répondre ? Ah oui, quand il disait que visuellement il était un peu en dessous, effectivement il est un peu daté. Hein. Mais bon, vous allez voir que c'est pas ça qui va compter du tout. Ça va pas être les... Talion. Bien que, ça va en fait, ça dépend des plans. D'où est-ce qu'elles viennent ? Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Ah oui, c'est ses souvenirs qui le... Il faut qu'on parte. Qui le hante. Allons-y, vite. C'est trop tard. Nous sommes déjà morts. Donc il est toujours hanté par ses souvenirs, malgré la vengeance qu'il a eue sur la manoir. Hein. Ça me semble logique en soi. Ce qui me dérangeait plus, c'est que dans l'histoire originale, il avait une pseudo-aventure avec quelqu'un aussi sec. Ça n'allait pas avec le reste. Waouh, on est repassé à une cinématique. Ça, c'est bien fait, par contre. Flock. Boum. Voilà. État Léon inventa l'arme nucléaire. Le spectre bleu. T'appelle. Je suis le Ranger bleu. Triceratops. Pour ceux qui se rappellent. Des premiers Power Rangers. Putain, la météo m'a pas prévenu qu'il allait neiger. Salaud. Météo France. Salaud.
m'appelle Talion, pas Tatan. Joli, très joli. Il crie ton nom. Ah, c'est la passe. Bah, c'est, je sais plus comment il s'appelle de. Talion. Putain, faudrait que je vérifie, j'ai mon encyclopédie pas loin. Je me suis renseigné, je me suis remis à jour. Mais bon, c'est pas suffisant apparemment. Mais c'est la même passe par laquelle passe Frodon et Sam Sagas. Donc et Sam dans pour rentrer donc en Mordor. Je te trouverai. Donc oui, du coup, j'ai un peu de souvenirs. Hop les, bonjour. Vous avez des problèmes de gorge apparemment. Viens, je t'attends. Tu viens de loin. Jour. Ok. Il a l'air d'être un peu moins agile qu'avant, c'est rigolo. Enfin, un peu moins pété qu'avant en termes d'agilité, surtout ça. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Avez-vous des problèmes de gorge? Ah non, c'est de tête là pour le coup. Des maux de tête? Ça va mieux? Ça s'est calmé? Ok. Viens, Talion, libère-moi. Où es-tu? Wouh! Il y a quelqu'un qui m'a vu. Ce son là, normalement, censé être quelqu'un qui vous a vu. J'ai toujours mon arc? J'ai pas mon arc. Mon merde, celui là-bas. Oui, mais je veux pas faire une. J'ai rien entendu. Bon, merde, je suis à moitié sourd, à moitié con. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Je voulais qu'il s'agrippe en face. C'est rigolo, je vois qu'il y a toujours les mêmes problèmes, cela dit, c'est intéressant. Oui, oui, j'aime bien qu'on me chuchote dans l'oreille, mais... Oui, oui. Tu ne me vois pas! Bonjour! J'attends. Caché! C'était caché! Bon bah je lâche. Il y avait où? Ok, il y a du monde en bas. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser. On va pas chercher la furtivité sur tout le monde. Bonjour! Ah bah! Ah bah! Ah bah! Bah en fait il est là, Celebrimbor. Enfin Celebrimbor, pardon. Parce que c'est vrai qu'entre le moment où je le lis... Hop les... Voilà, bah toi t'es là. Tout va bien, Imhotep. Oh, ça c'est sympa par contre. Ça c'est un truc qui faisait pas avant. Il y avait vraiment que des décors qui étaient prédestinés à être... Wow, 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 wow. Non, non, tu n'as rien vu. J'étais à 1 mètre de toi, mais tu n'as rien vu. Hop là. Bonjour. Problème de gorge? Sans doute. Je suis médecin. Merde. Donc il est là. Ah bon, d'accord, c'est nouveau ça. D'accord, bon. Normalement il faisait un combo à la mort moi. Ah bah... Bonjour! Non, t'en vas pas. Crac, voilà. Est-ce que tout va mieux? Voilà, t'avais une tumeur au cerveau, je te l'ai excisé. Voilà, c'est mieux normalement, tu... Il y a un monsieur qui est par là? Ou il est plus haut? Il est... Ah bah il est là! Dommage que j'ai pas mon arc. Oh. Bon, on y va, on bourre un peu. Hop. Bonjour, le problème de gorge, ça va mieux toujours? Ça va bien? Ah bah voilà, on arrive à la passe. Bon bah là j'ai pas besoin d'y aller hein. Oh! Pour le plaisir, ils sont deux. Ils sont où? Ils sont deux, ils sont juste là. Est-ce que je peux faire une double élimination furtive? Non.
Bonjour! Ça va, Ti? Hop! Toujours aussi fun à jouer. Toujours aussi fun. Tu permets, j'ai quelqu'un à finir. Aïe. Nom de Dieu. C'est bon. Oui, bah oui, je sais bien que c'est bon. J'ai pas de problème. Bon, ça a bourré un petit peu, c'est pas grave, ça fait du bien. Une ombre noire. Surgit une ombre noire. Non, faut que j'arrête. Mais dis donc, on sent qu'il va pas y avoir d'araignées dans le coin. Ouais, j'aime pas les araignées. Enfin, c'est-à-dire que dans l'autre jeu, en fait, voilà, tu gagnais des trucs à les buter. C'est-à-dire que t'avais des espèces de quêtes de chasse. D'ailleurs, c'est marrant, elles sont pleines de mucus. J'ai pas envie de passer par là. Est-ce que je peux ne pas passer? Non, je suis obligé. Merde. Parce que, enfin bon, voilà, c'est juste un fantôme, hein, un fantôme d'elfe. Un esprit d'elfe. On ne sait pas trop. Un spectre. De la même manière que, j'imagine, que les Nazgûl dont on entend parler dans ce... Ah bah oui, on la voit bien, l'araignée, la forme d'araignée, par contre. Enfin, je sais pas, je suis le seul à l'avoir vu, l'espèce de truc rond avec les pattes sur les côtés. Celebrimbor. Mais qu'a-t-il bien pu t'arriver? Tu nous as fait attendre. Bonjour. Est-ce que tu connais le goût de l'argent? Pas de l'argent, la monnaie, mais l'argent. Voyez, regardez, on voit les pattes. On voit les pattes, pardon. Le corps et les pattes. Ah. Bah là, quand tu ressembles à ça, tu me parles. Ça va. D'accord. On va comprendre que d'un seul coup, c'est une jeune femme pratiquement à poil. C'est ça. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre. Vous avez vu, il est rasé. Il a une barbe de 3 jours, mais rasé, vous savez, entretenu. C'est rigolo. Enfin, de 3 jours, je sais pas, j'étais pas là la dernière fois que c'est rasé. Quel courage. Le minigame, se raser. Pour un homme. Oula, t'as des plis sous les dessous de bras, c'est rigolo. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. Enfin, les détails sont bien faits, regardez. À quoi serais-tu prêt à renoncer? Ça m'a choqué. J'ai déjà abandonné tout ce que je pouvais. Oh. Pas tout à fait. Pas encore. Pas encore. Tu veux l'anneau? Tu échangerais l'anneau contre le spectre? Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis Arachne. Oui, je sais. Et je ne passe que des marchés honnêtes. C'est vrai en plus, hein. Enfin, vrai. J'aurais fait le même choix. Elle fait rarement de marché en fait avec les humains. Apparemment, il y a de la bouffe souvent. Attends. Dalio, non. Tu peux le prendre. N'attendez pas à ça. Ok. Ah oui, il redevient égorgé puisqu'il perd tout lien avec... Celebrimbor. Enfin, Celebrimbor, pardon. Du coup, il retrouve la gorge tranchée du premier film. Du premier jeu, pardon. Vous voyez, comme quoi. Oh, c'est pas la forme non plus, hein. Tu nous as condamnés, Talion. Mais non. Elle avait déjà un pouvoir immense, et voilà, je lui donne le mien. J'ai mis toute ma force vitale dans cet anneau. T'as mal à la gorge? Alors il faut le récupérer. Allez.
bah oui. Effectivement. Why not? La guerre que tu veux mener n'est pas ici. L'anneau est perdu. Tourne-toi vers Minas Ithil. Prise d'assaut par le Seigneur des Ténèbres. Tourne-toi vers le Palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre du milieu. Bon, bah je vais pas spoiler, mais je sais des choses. Enfin, vous devez, si vous avez suivi la... Génial. Génial, génial. Voilà, bah, là vous avez eu un gros... Gros aperçu. Si vous vous rappelez de l'histoire du Seigneur des Anneaux, Minas Ithil, ça devrait vous parler. Oula, pas content, pas content, Minas pas Ithil. Content. Je dois savoir si Arachné a vu juste. Oh, c'est bien dit. A vu juste. C'est très bien dit. Bon, je suis surpris par la narration. L'histoire elle a l'air d'être forcément plus épique que le premier. Faut savoir que dans le premier, l'histoire, c'était un peu... Il nous fallait un prétexte pour faire un jeu, c'est ça. Talion n'existe pas dans les histoires originales, d'ailleurs. Hein. Enfin, dans l'histoire originale. Il y a un intérêt pour lequel je dis ça, une raison pour laquelle je dis ça. Ok. Oh merde, je viens de voir un truc. Je sais pas si je peux faire pause. Non, je peux pas faire pause. Je viens de voir une connerie que j'ai faite. L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous parle, cet endroit? Ça devrait. C'est génial. L'ombre de la guerre. La terre du milieu. Cool! Cool, 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 cool. Bah ça donne envie, hein. Ça donne envie. J'aimerais juste revenir sur Annatar et la passe. Enfin bon, c'est pas grave. Le Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon, rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu toute une espèce d'équilibre à trouver dans le premier jeu entre Talion et Celebrimbor. Pourquoi ? Il pourrait nous mener au Palantir. Il faut trouver un ver et le faire parler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je peux pas mettre pause du tout. Bon bah attendez, un instant, je reviens là-dessus. Voilà, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'ils avaient du mal à se mettre d'accord sur les vies, etc. Le fait que nous dirigez-vous vers un bord pour sauter n'importe quel hauteur. Oui, bah je sais bien. D'accord, je suis complètement dans le truc, hein. Waouh, ça par contre c'est stylé. Qu'est-ce qu'on attend au juste ? Ah bah, des renseignements. Voilà. Là, son esprit est faible. Vous avez entendu ? Qui dirige les Ah, intéressant. Du Palantir. Et donc là, on arrivait sur un système de renseignement. Donc oui, excusez, oui, il fallait qu'il trouve un espèce de compromis avec Celebrimbor vis-à-vis du fait que une vie est une vie et une vie est une source de renseignement aussi à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait du mal à être du côté d'une seule espèce, les hommes, d'une seule race, vis-à-vis du fait qu'ils avaient le destin entre guillemets du Mordor et entre guillemets de la Terre du Milieu dans les mains. Voilà ce qui sur quoi contre ce contre quoi ils se battaient. Vous pouvez interroger des vers pour obtenir les renseignements. Appuyez sur A pour sur ce capitaine. Ok, bon bah vas-y. Voilà. Skak, le maître du combat. Les renseignements sur les capitaines vous révèlent leurs faiblesses, ce qui vous permet de préciser bien précisément leur vulnérabilité et d'utiliser le pouvoir du spectre pour amplifier leur peur. Ce capitaine est commandant, il sera toujours entouré par sa bande de soldats. Alors d'accord, ok, d'accord. Donc là on a par exemple... Merde, je peux pas voir... Je pouvais pas voir sans... D'accord, ok. Bon, j'imagine qu'ils vont me dire d'aller dans le menu. Voir les détails. Le capitaine qui mène les rejoins. Voilà. Donc Skak, le maître du combat, est niveau 6 apparemment. Il a des immunités contre les attaques à distance. Classe avancée, enhardit ceux qui se battent à leur côté. Leur permettant de donner libre cours à leur soif de combat. Et donc il devient hébété après les attaques furtives. Peut-être blessé par les exécutions. Quand votre puissance est pleine. 2. Et d'accord, ok. Ça c'est les trucs de dégâts, j'imagine.
Dégâts des, ouais, dégâts des exécutions, dégâts des attaques furtives. Ok, cool, intéressant, bien fait. Toujours aussi bien fait d'ailleurs. Même si ça fait un petit peu jeu de plateau pour le coup. C'est rigolo. Ok, je voudrais juste voir un truc dans les options, ça va vous aider un petit peu au passage. Identité de l'ennemi juré, oui d'accord. Normalement, je suis censé pouvoir mettre quelque part... Bah alors là, je voulais mettre les... Notification de butin, notification. Où est-ce que je suis censé pouvoir mettre... Les sous-titres, voilà. Appliquer les paramètres, voilà. Crac. Et là on va voir un petit peu plus de suite, ce qui va être plus facile pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, il n'ira pas plus loin. Voilà, en plus ils sont très discrets sur ce jeu d'ailleurs. C'est déjà... C'est... Le gros... Ouah. Ouah. Le rat qui est... Refais le meuleux, le rat. Regardez. Bleh. Non, c'est bon. Bon, ok. Trouver la piste du commandant Orc. Hop les, bonjour. Problème de gorge. Cette cité empeste la chair humaine. Bah, cité humaine. On va quand même aller faire les choses bien, hein. Boum, bonjour. Et la chute de la blague fut terrible. Oh, sauter derrière. Oh, c'est joli. Ça c'est un truc, c'est vrai que... Je dirais pas que ça manquait, mais presque. Alors il y a l'autre, trop du cul qui arrive sur la co. J'aimerais bien qu'il fasse demi-tour le temps que j'aille voir ce monsieur. Puisque monsieur... a des renseignements. Ok. Bon bah apparemment il veut pas. Il va tomber sur le cadavre. Hop les, bonjour. Mot de tête, Advil Caps. Bref, voulez-vous aller faire le gant? Comment je vais faire pour passer celui-là? Bah je vais le contourner tout simplement. Hop les... Crac. Bonjour. Bonjour, tu ne me vois pas. Merci. Puis-je... Tu veux bien... Interroger ce monsieur, tu veux bien? Merci, voilà. Bonjour. Ok, Din Valanor. Ok, bon, du coup, ce monsieur... Alors, pourquoi il y a des points rouges? Tour restant. D'accord. Bah, écoute, ouais, vas-y. Hog. D'accord. Hog, terreur du poison. Inflammable, chétif. Ah oui, c'est pas un gros, celui-là, hein. Et l'attaque de bête lui inflige d'importants dégâts, d'accord. Il a peur d'être brûlé. Dégâts d'attaque à distance, dégâts par exécution. Ouf, d'accord, le mec c'est juste une bouse monumentale. Bonjour, tu as un joli... J'allais dire tu as un joli piercing à l'arcade. Malheureusement, ce n'est plus le cas. En termes d'arcade, il ne reste plus grand chose, si je puis dire. What? Putain. Putain, c'est... Allez! C'est très bizarre le contrôle, parce qu'il cible pas forcément correctement, j'ai l'impression. Mais bon, là n'est pas la question. Bonjour, apparemment toi tu es un capitaine assez intéressant. Tu ornes le bizarre. Ah non, t'es aussi très très faible. Par contre, ils ont plus de... Ils ont une meilleure gueule, je trouve, que dans le premier. C'est cool. Enfin, ils ont une meilleure gueule. Les capitaines sont vraiment... Normalement censés être différents. Donc, trouver la piste du commandant Orc. Bonjour. Coucou. Non, t'es pas là. Oh merde. T'es là? Non plus. Merde. Oh, il y a un monsieur là-bas. Je peux utiliser mon arc. Toujours pas d'arc. Ouh. Ah bon bah, combat obligatoire. Coucou. Bonjour. Immortel. Bah je le croyais mort. C'est le cas. Ils sont cons ceux-là. Talion. Ah bah voilà, merci. Mais non, mais tu l'as déjà vu un million de fois dans le premier.
Maintenez pour charger votre tir. Oui, c'est toujours le même. Plus de concentration. Non. Ok, je n'ai donc plus de tir d'elfe. Les Gondoriens sont en mauvaise posture, il faut les aider. Le Palantir est... Examinez l'indice. Ouh. Je peux ? Nous pourrions changer la donne. Pour vous concentrer sur la piste. D'accord, il y a une espèce de mini-jeu à... Oh, c'est sympa. C'est sympa, je reconnais que là, pour le coup, j'apprécie. Je vois aussi qu'il y a des tirs d'elfes à récupérer un peu à droite, à gauche. C'est intéressant, il n'était pas là il y a quelques secondes, mais... Ah, j'ai pu... Ah ! Ah, ça va tellement nous changer la vie. Dans le premier, il fallait faire une touche pour les prendre. Maintenant, il suffit de passer dessus pour la récupérer. Ah ! Ah, le plaisir ! C'est comme ça, par exemple, avant, il fallait passer en espèce d'exp... Voilà, en ce mode-là. Oh ! Oh, je sais ce que je vais faire ! Coucou ! On récupère des flèches. Oh ! Oh non, par contre, évite de te suicider, Talion, s'il te plaît. Ok. Ah, ça c'est cool. Ah, si vous savez à quel point ça change la vie de faire ça. Ah. Je sens que je vais prendre mon pied sur ce jeu. Je suis désolé, hein, mais là... Alors, je vais te passer par la grande porte, je peux pas passer par le dessus. Moi j'aime bien être en dessus. Hein. Il est proche. Le monde des spectres révélera sa présence. Cherchez le capitaine. Ouais, ouais, capitaine, abandonné, te voilà. Hébété par la furtivité, ça va être très très rapide pour lui. Coucou. Ah, il y a eu un hurlement de personnes, malheureusement. Ok. On est bon. Dites-moi si le son n'est pas bon ou s'il ne l'est pas correctement... retransmis, normalement c'est bon, mais je peux l'augmenter encore un peu si vous... Merde. C'est à vous de mettre la main sur la pierre de vision. Est-ce que je peux, par exemple... Ah non, je peux pas. Caché, mais on fouillera chaque pièce, chaque coffre et chaque gondorien. On va essayer autre chose, alors. Soyez à la hauteur, les gars. Allez. Alors, du coup, ils vont se disperser ou pas? Non, pas encore. Ah, ça c'est un beau saut par contre. Ok. Je sens que ça va être propre ce que je vais faire par contre. Hop les... Le plongeon de la mort qui tue. Si avec ça je ne le tue pas, je ne sais pas ce qui le fera. Ouh, Batman. Batman. Élimination furtive. Taïo. What? Mais qu'il est con. Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau du problème de ciblage. Ça ne va pas. Il y a un véritable problème. Non, personne ne l'a tué. Il est tombé sur sa lame, tout seul. Ça c'est une vraie excuse à donner. Est-ce que je peux... Non, en fait je pouvais pas, ça doit être ça le problème. Premier. Là je peux. Taïo! Boum! Coucou! Oh! Bonjour madame! Comment allez-vous? Toujours pas? Ok, pas de soucis. What? Ah d'accord, il m'a contré, j'imagine. Allez! Ah, toujours pas? Bon, bah tant pis. Ah, c'est parce qu'il devait y avoir une animation, j'imagine. Oh! Mais mon cher, tu es déjà mort! Tu ne le sais pas! Mais tu es déjà mort! Par contre, c'est nul de pas avoir encore les exécutions.
Triompher de capitaine permet à Celebrimbor de forger de puissantes pièces d'équipement. Vous pouvez gérer votre équipement dans le menu inventaire. Inventaire. Ce sera quoi ? C'est l'équipement pour augmenter votre force et améliorer vos compétences. D'accord. Épée de domination. Oui, ça c'est donc du truc de DLC. Défi pour passer au niveau 15. Recruter un orc de niveau 15 ou supérieur. Les capitaines gagnent automatiquement un niveau quand ils sont recrutés. Puissance rechargée de 11 par ennemi drainé. D'accord. J'ai pas autre chose ? Je peux pas changer autre chose ? Bon bah d'accord, bah j'ai que l'épée de domination. C'est déjà pas mal, vous me direz. Ok. Cela dit, mon armure n'est pas moche. J'aime bien, on a l'impression qu'il a un plaid qui lui sert de cape. C'est littéralement ça. J'ai le plaid de la même couleur si je veux. Mon escouade, c'est sans les, le sang d'orc. En bichette. 848 000. Et c'était trop peu. Eh bien. Oh, l'épée d'or. S'il tient encore. C'est l'épée de l'armure d'or de la balance. Moyenne, rôdeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Et alors ? Tu sais grimper, non ? Moi, je sais grimper. Pas toi ? Merde. Le plus vite possible. Alors, montrez-moi le chemin. Je connais le chemin, pour ceux qui voient la référence à Indiana Jones. Quel est votre nom ? Oh, mais arrête de draguer partout, t'es qu'un spectre. Talion. Alors ne traînez pas, Talion. Oh, je préfère quand il m'appelle rôdeur. Il est mort comme ça. Non, mais maintenant il est temps que les morts passent de l'autre côté. Enfin, je veux dire qu'il y ait des vers qui meurent. Oh, faut que je le suive. C'est les pires quêtes. Non, j'ai pas entendu. Ça m'a éclaté les oreilles, mais j'ai pas entendu. Elle court vite, hein. Je veux pas dire, mais elle court plus vite que moi quand même, hein. Et j'ai un esprit d'elfe dans la tête, hein. Et dans le corps. Et dans plein d'autres choses d'ailleurs. Excusez-moi, monsieur. Hop là ! Et voilà ! Je sais pas si je peux... Hop là ! Bonjour ! Crac ! Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est déjà enfui ! Bon, il y a encore un... Ah non, je viens d'éclater une un rat. Tiens, bon. Idril, t'en vas pas. Mais si, j'ai bien fait de venir ici. Je suis gentil, je vais te tuer rapidement. Si les troupes de Sauron. Oh, tu butes pas mes potes. Boum. J'arrive. Ouh là, il y a de la... Oui, effectivement, il y a du combat là par là. Bonjour. Ah, désolé, vous y passez aussi. Aïe, je l'ai pas vu venir, excusez-moi. J'ai manqué de talent. Bah oui, mais écartez-vous, mon dieu, je fais pas mine de... Bon, c'est pas grave. Ah, c'était pas là, il fallait que je me batte. Bonjour. Hop, désolé. Tu m'avais pas vu ? Non, maintenant tu m'as vu. Ah, bah merde. On peut pas brutaliser tout le monde ? Oh ! Oh, monsieur l'archer. Par contre, c'est cool de trouver des flèches un peu partout. Le pète. Oh, bah. Voilà. Les flèches. Mais non, la ville moyenne n'est pas perdue. Ça y est, elle est défaitiste en plus. Merde alors. Oh, ça fait plaisir de jouer à ce jeu. C'est vrai que du coup, j'ai bien vu tous les défauts un petit peu du premier. Et je peux voir déjà qu'il y en a certains. Le dynamisme par exemple, rien que pour les flèches, c'est fou. C'est, vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que moi dans le jeu, je joue énormément les flèches. Parce qu'elles ont un... Enfin, vous allez voir qu'elles ont un aspect qui est très intéressant. Que ce soit pour le déplacement ou pour les attaques furtives sur certains capitaines. Qui rend les combats de capitaines parfois très simples et surtout très pratiques. Oula. Non, t'es trop gros. Bonjour. Ok, ça fait déjà deux en moins, c'est pas mal, ça devrait les aider. Et donc, est-ce qu'on a pas un... Ah bah non, j'allais dire, est-ce qu'on a pas un ou deux Caragor dans les cages? Mais non, les cages sont entièrement vides.
Bonjour. Bonjour. Non. Mais je viens de me faire frapper par un mec. Attends, je prends des flèches. Je prends des flèches. Voilà. Faut que je puisse bander mon arc. Bon, c'est pas grave. Pousse-toi de mon chemin. Pousse-toi de mon chemin. Le vitre redonne en mettant. Elle se permet des choses, elle. Elle me trouve lent, voilà autre chose. Wouah, les flèches. Vous avez vu les flèches qui pleuvaient à droite? Il y en a une qui s'est plantée dans le mur et qui s'est enflammée dans le mur. Oh là. Cinématique? Cinématique. Oh bah tiens, il est découpé celui-là. Oula. Tu m'as fait peur. Jésus-Christ. C'est quoi cette porte qui arrive très très vite et qui ralentit histoire que tout le monde ait le temps de passer? Mais qu'est-ce que vous faites? Ça ne sera pas long. Partez. J'en ai pas. J'ai encore 850 000 orques à buter. Ne vous inquiétez pas, ça devrait le faire. Attaque lourde, maintenez jusqu'à ce que la lance apparaisse, puis relâchez pour lancer. Oh, oh, oh. Black. C'est stylé. C'est stylé. C'est tellement stylé. Oh, ça brûle. C'est chiant, j'ai pas récupéré tous mes pouvoirs. Il y avait des pouvoirs bien plus sympas. Oh, j'ai une flèche. Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai une flèche. Coucou. Bonjour. Oh, Dodo, il me rappelle quelqu'un. Ah bah non, c'est pas ça. Mais bon, ça, je vois très bien l'acteur qui pourrait jouer ça. Je vois même deux d'ailleurs. La ville moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Oh, c'est dommage que ce soit pas sa voix. Le mur intérieur tiendra, et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà... Vous avez vu le mec derrière avec le bandeau? Mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Va à la grande salle, protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Aenys Anoun. Est-ce que c'est un ordre? Ah, papa. Il faut que tu comprennes. Papa, il faut protéger les choses les plus précieuses. À tout prix. Oui. C'est un ordre. Ok. Alors j'obéis. Père. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. T'es le père, t'es le fille après, hein, moi je dirais, hein. Personnellement. Bonjour, je suis Talion, vous ne me connaissez pas, mais j'ai réussi à vous approcher. Porte noire. Je vous croyais tous morts. Tous sauf un. C'était bien le cas. Si vous venez vous battre pour Mina City, le rôdeur, allez voir le capitaine. Je ne viens pas pour la cité, général. Je viens pour le Palantir. Pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant. Nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. Oh, compte sur moi, l'ami, compte sur moi. Mais ça, chers amis, ça sera dans le prochain épisode. Je vous retrouve donc après-demain pour la suite de l'aventure de Talion. Et on pourra attribuer ce point d'aptitude. Voilà, salut les gens!